Ok, impec. Allez, bravo au Oulé! mur. Monsieur, c'est la guerre. Thierry et Froggy, vous serez en binôme. Sauf tu seras avec moi. Vous allez, comme le chef l'a dit, vous allez sur l'ouverture sur le mur est. Vous prenez position là, j'arrive. Ouais, ok. Oula. Ah mais ouais non on l'a pas le FTA du coup. Je lag, je lag. Pareil. Ah, j'avais pas fait gaffe à l'heure. Bon tu t'es mis sur le channel 3 Scarlock. Non, comment on ouvre la radio? Bah il y a une touche open radio dans l'acre. Les canaux on le fait normalement. Faut directement. Ah. Qu'est-ce que j'ai mis? Ok, j'arrive pas à quitter le groupe, ça va être compliqué. Est-ce que tu pourras. Je vais garder dans. Non, ça devrait aller. Attends, c'est ça. Un coup, 148 check. Un fort éclair pour Bravo. Ok, vous êtes là? Passez votre main en mon sel. Ça ramouille, hein. Les règlements un petit peu. Radio aussi. On est sur le 3, c'est ça? Non, canal 1. Ah, oh. La merde alors. Tu peux parler toujours? Ouais, 30 radio. Secondes. Et ma vue distance, ah. Canal 1, 3, 4, 3. Ouais, je t'entends. C'est bon. Vous n'allez pas partir rapidement. Allez, j'ai reçu canal 1. Hein. Ouais, ouais, pas de bouchon d'oreille, oui. Te parler 30 secondes. Pas de bouchon d'oreille. Ouais. Ok. Alors, au lieu d'essayer de comprendre ce que tu veux faire par ton mouvement et te suivre ou m'adapter alors que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, je préfère que tu me dises directement ce que tu veux que je fasse. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, je vais me transformer en chef d'escouade là aussi. Hein. Ah non, c'est moi non, qui non, c'est pas donnerai... chef squad, non c'est mais la vieille, c'est moi qui te donnerai les indications si t'es pas au bon endroit ou si tu veux que okay, je te replace. Ton rôle c'est de te mettre à gauche ou à droite d'un coup si tu vends ce que t'estimes le mieux. Moi si je te dis que c'est pas bien, tu te replaceras. D'accord. Non mais c'est juste pour te dire que s'adapter sera pas forcément évident, il s'attendra peut-être à quelque chose que je ne ferai pas. Mais non, pas de soucis. Non mais c'est okay, pas c'est bon. Ce qui... Ouais, non, j'ai compris, ça fait peur. T'as les jumelles ou pas? Non, j'ai zéro jumelle, zéro viseur. Alors c'est... Et on combat deux groupes hein, pour info. Ouf, tout ce qui n'est pas comme nous. Bravo, méchant, deux de commandements. Ouais. Ok, pour info, camion. Vous pouvez venir sur le point où se situe Alpha actuellement, l'entrée. Je sais pas s'il y a du monde à côté. Est du mur. Alpha, vas-y, va sur Eisenstein, Alpha. Ok, on y va. C'est parti, les gars, on côté avance. Côté 10, derrière la base. Froggy, vous passez en avant, vous avancez plein est vers les maisons là-bas. Go! Ok. Tout faire, tu fermes. Parti. Ok, pour rouge, je vais avoir besoin d'un leader. Ouais, voilà, ça sert à rien. J'ai de rester. À la la droite devant, 60. Base radio. Une fois sur le bordel là, prends couverture nord-est. Non, du monde, monte sur un bâtiment en 55. Sur le Alpha balcon. Prend plutôt la partie gauche des campements. Bravo se mettra sur la droite. Ok, de Bravo, j'ai problème radio, je vais vous demander une minute, je t'enlèverai. Ok, prends couverture nord plutôt, le gars nord, on va laisser l'est pour le coup. Oh putain, je rame sévère. Ah, moi aussi, ouais, je rame sévère. On va essayer de faire au mieux. Ok, bravo, vous déployez dans le compound, sécurité 360 pour vous. Vous adaptez en fonction des hommes d'appel. Okay. Tu peux te focus sur l'est, la vieille. C'est bon, c'est prêt. Non, ça tape, hein. À coup. Ouais. Contact. Et un bâtiment. Attends. Contact 350 proche. Bon, tu peux.
C'est proche, autorisation. Si c'est proche et dangereux, autorisation. Okay. Vous me recevez sur radio? Allez. Super. Ouais, vu. Confirmé, on te reçoit. Sorte et se montre. Hein. C'est nickel. Là. Bravo, pas vu, sur le bâtiment nord-est du campement de chef d'équipe. Courir notre cul à coup. Juste derrière là. Ok. Derrière là, le bâtiment, là, je vais courir notre cul. Ah, bah y'a Weldrick déjà, ok. Attends, je pique un coup le. Ah, mâche. Hop. Voilà, jeter un œil. De bravo sur bâtiment, c'est reçu. Monte à l'étage. Putain, ça va être la folie du CQB dans ce bordel là. Et tu vois le bâtiment là avec les liserés bleus, azimut 60. Être épique. En full auto. Deux étages sur la gauche de la route. Affirmatif avec trottoir jaune blanc. Va occuper ce bâtiment pendant que t'es couvert par Alpha. C'est parti. C'est bravo, on se retrouve à l'entrée du compound, entrée nord, et on est prêt à partir. Alpha de leader, bravo, va se déplacer en direction de l'azimut 60 sur un bâtiment okay. liseré bleu. Pour l'instant, vous me collez au cul. Et c'est parti. Okay, les mecs, on court, bravo, qui va se déplacer nord-est. Oui. Ouais. Je vais peut-être prendre ma place au coin là. Je vais traverser le bâtiment. Voilà, j'avais un bon angle, mais ouais, vu que maintenant faut aller regarder plutôt de ce côté là. Deux étages, de l'autre côté de la rue. 25. Là, c'est pas pour l'instant, t'engage pas ça. Je vais trop porter, t'inquiète pas. Vas-y, touche, prends la place. Faut pas ce que je branle ici. Akou, tu m'entends? Ouais. Monte sur la terrasse, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Voilà, ouais. Encore le groupe ouais. là qu'on a vu, il est en 50 maintenant. Je l'ai perdu. T'es là, coup. Ouais, tu vois le bâtiment et la vieille. Mm-hmm. Le compound qui est juste devant nous, là, une cinquantaine de mètres juste à gauche, tu vas aller te mettre là-dedans. Vu que là, la vieille est en sécurité. 50 mètres jusqu'à gauche. Bah, le compound qui est devant nous, là, à l'azimut 40. Ok, d'accord. Mets dedans. Ok, les gars, on descend et on se prépare à partir. C'est parti. Sherlock, rejoins-moi, sortie nord. Passe par le nord, les gars. Dégage la porte, touffe. Je suis là. On suit. Allez, les gars, on y va. Sur le compound juste à côté, là, sur le nord-est. Battez le pas. Parti. Let's go. C'est pas très loin, ça va. Okay. On a des contacts proches, hein, nord-est, hein, c'est sûr et certain. Ouais, ouais. Bien reçu, bravo, maintenez la position, essayez de délocaliser les contacts qui sont en train de faire feu. Nickel, vous deux, vous restez sur le nord. Ok. Ah merde. Touf, tu te places où tu peux. On place-toi ici, Touf, c'est bien. T'auras un visu sur la rue. Ouais, reçu. Bien, Scarlock. Répétez 100 mètres au nord de votre position. Affirmatif. Bien reçu, autorisation d'engager, si bon visuel. Reçu. Les garçons, si on voit et si on est en mesure d'engager, on engage. Bien sûr, on attend suffisamment, ils seront tous morts. Il suffira juste d'aller chercher les diplomates et Alpha de leader. Alpha. Il y a un bâtiment qui se trouve au nord-est de ta position actuelle, qui est un garage avec un petit étage plus bas que le rez-de-chaussée. Plus étroit que audio, le rez-de-chaussée, audio, audio. Audio, sud-est. Ça doit être très proche. 140. 6 messages à destination, bravo, répétez. Touf, c'est le plus média droit. Négatif, message à destination, Alpha. Nickel, Touf, nickel. Ah, j'ai dû engager, hein. Alpha, signale-moi si tu voilà, comme ça on est bien en couple. À coup, j'ai un contact sur un balcon là, je peux l'engager ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. De Alpha, j'ai pas le bâtiment en question. Très proche, on l'a traité là. C'est le premier bâtiment à ton nord-est normalement, je crois. Bah, merde. Ok, je crois que je le vois, on est prêt à bondir. Il y a une antenne TV sur le toit qui dépasse pas mal. Si t'es prêt, tu y vas. Ok les gars, on bouge vers le bâtiment azimut 40, Touf revient vers nous. 40. Ogi, j'ai deux chargeurs pour toi. Allez, okay, c'est parti, voilà, on fait un bond, on y va. Azimut 40. Go. Celui de droite. Ouais.
c'est juste que je me rapproche d'un mur. Alors, essayez de prendre position comme vous pouvez, essayez de monter si vous voulez. Je monte. On a accès à toi. Nickel. Je monte. Essayez d'avoir un visu sur la rue qui part vers l'est là. Vers quoi? On l'a un bon visu, il y a des contacts dessus. Hein. Nickel, bah vous prenez des visus, au moins deux personnes. Le binôme Thierry, vous montez, vous prenez un visu sur la rue qui part vers l'est. Oui. Touf, ouais. Tu te places là, où tu peux. Garages, ouais, le là, garage j'ai un très bon en visu. 60-80 là. Sur la rue qui est à l'est, justement. De Alpha, non. Sud. Il va pas plus, il vient d'entrer. Ouais. En position avec bon visuel sur la grande rue qui part vers l'est. Bien reçu Alpha, si vous avez des contacts en visuel, vous pouvez engager. Bravo va très prochainement se déplacer à l'est de la rue. Il sort là, à l'est de votre ah, tiens, ouais, c'est mal. Contact dans la rue à l'est, ça traverse, ça défile de gauche à droite. Ok, c'est feu à volonté, les gars. Bravo quand tu veux. On engage. Feu à volonté, les gars, je les ai vus passer donc vous devriez plus les voir normalement. Ouais, c'est feu à volonté, hein. Dès que vous voyez, vous tirez. Faites gaffe par contre, on a Bravo qui va se déplacer, je crois, sur notre endroit. Putain, je l'ai perdu. Bravo, n'hésitez pas à bien occuper les toits et allez, on visu, c'est juste devant un bâtiment d'angle au nord. J'ai eu. Je pense. Il est en gros, gros engagement sur la route. Ah, t'es là? Ouais. J'ai cru d'œil de temps en temps sur la gauche. Je vais venir avec toi, Touf. Comment? Je vais me mettre avec toi. Y'en a un autre sur le. Ah, je les ai juste vus passer et. Pas engagé. C'est pas facile, c'est rare. Je commence à aller un petit peu mieux, je suis à 30 FPS maintenant. Tout le monde ? Décale, tu vas conquérir. Ouais, ouais. À cause de ça, je peux pas bien me passer. On va prendre position dans le bâtiment qui est là à gauche. Okay. J'ai escalier pour monter. Ça, ouais, t'es mieux. Essaye de me, ouais. Regarder, ouais. Me garder un visu sur la rue qui part vers le nord. Nord, ok. De Bravo, bâtiment clair. Ça va là-haut? Bien reçu, bravo. Donc, ouais, je suis dans le bâtiment juste au nord de votre position. Vous pouvez dès à présent investir ce nouveau bâtiment. C'est reçu, meilleure position. Je prends visu et je confirme. Mort. Bien reçu. Ah non, il recharge, j'ai rien dit. Là, tu l'as battu. Nickel. Bon boulot, les gars. De bravo, on prend des tirs. A priori, un tireur nous empêche de traverser la route. Fumier déployé. Ici, leader, en fait, je veux pas que vous traversiez la route, je veux juste que vous mettiez au bâtiment angle. Contact 10. De Tallinn. 10. Contact 10, tout. 10. Ah putain, pile quand je regardais à droite, pour voir si c'est du meuf. Ah, il est arrivé en rampant ce con. Oui. Oh. On a quelqu'un qui check à droite ou pas? Ouais, je touche pas. On a tout sur le nord et vous êtes sur l'est. Okay, bravo, on est dans le bâtiment, mais si on sort une oreille, on s'est canardé. Ok. Ah putain, merde, je suis grenadier, mais j'ai pas une grenade. Attention. Il y en a qui tapent sur bravo, nous. Je vous prenais position sur le toit, je me situe actuellement sur le toit de ce bâtiment. Bravo sur le toit, s'il vous plaît. Alpha de leader. Alpha. Bravo, ouais, faut essayer plus ou moins prendre le contrôle de la rue en se mettant sur les bâtiments qui sont au sud-est de Tallinn. Pendant ce temps, vous allez essayer de traverser sur les bâtiments nord-est de Tallinn. Enfin, quand je vous en donnerai l'ordre et je smokerai pour vous faire le passage. Alpha reçu. Donc Alpha essaie de voir un peu son itinéraire, l'objectif ce serait le bâtiment d'angle magasin qui est au nord-est du carrefour. Ouh! Reçu. On les tire là, fort. Ok les gars, mon signal, on bougera sur le bâtiment de l'autre côté du carrefour, au nord-est. Mais on passera par le bâtiment qui est sur notre nord. C'est reçu? Ouais. Ok. À mon top, hein. Pour l'instant, on reste là. Quand tu dis qu'on passe par le bâtiment au nord, on passe à travers le bâtiment ou on le longe? On passe derrière le bâtiment. Ok. Descends.
Je descends aussi. Ça va, Touf? Alpha de leader. Alpha. Donc déployez, allez-y quand vous pouvez. Il y a une fumée vue très proche sur le bâtiment où on va aller. Ok, on y va les gars, on y va. Go go. Tu suis Touf? Ouais, je suis là. Putain, je suis même passé devant toi. Ça, c'est pas grave, j'étais en retard. Ok, vas-y. Je suis mis allé, ça non? Vous couvrez, je traverse avec Touf. Couvrez le nord. Cours. Je sais pas. Ah ouais, attends, je vais laisser des tirs alliés. C'est assez allié. Ok, go. On y va. En position dans le bâtiment, couverture nord et est. Ok, ok, je monte. Et j'ai le nord. Non, allez go, prenez des positions les gars. Sur le toit s'il faut. Hein. Pardon monsieur. Merci, bravo. Donc, je répète, hop, nord-est, non, nord-est. On peut peut-être passer sur le autre. Hop. Oula. Deux alpha en position couverture nord-est depuis le nord-est du carrefour. Bien reçu alpha, ouais, essaye de passer tes hommes le plus à l'est de ton bâtiment. Bravo, va vous rejoindre et pour occuper le bâtiment le plus à l'ouest. Celui qui est pas encore, on passe sur le bâtiment le plus à l'est là. Ah, reçu, j'arrive. Bravo, mouvement d'aide. Allez, tu peux y arriver, Touf, tu peux y arriver, Touf. À gauche, il y en a un plus proche. Attends, on va avoir besoin d'une couverture sur la route. Touf, on va traverser. Ouais. Mets-toi sur la gauche là-bas, à la gauche de Froggy. Mets-toi sur la gauche de Froggy, tu prends une couverture nord-est. Ouais, reçu. Oh putain, ça rame à mort. C'est la guerre. Bug dead. Au nord-est, si t'as rien, tu les aides tout. Ouais, contact hein. Ouais, vas-y, bah traite. Dis donc! Canard hein! La canard! Y'a limite qui tire pour l'ambiance là! Y'a des départs de coups là, je vois des flammes en 80. 80 sur le toit! Ouais! Ok! 80 sur toit! Y'a du monde sur la mosquée, hein, grave! Ouais, on y va! On se traverse dans la fumée bleue! Froggy, tu tiendras compte de tes munitions? Ouais! On charge, ça part trop vite chez moi! Merde, on s'est dispersé. C'est pas ici. Pour Alpha et Bravo, maintenant oh, c'est violent, hein, c'est violent. Je me demande lesquels on est en train d'aider. Je sais pas, c'est 50-50 là, je crois. Sur le toit, la vieille, mais il y a toute une équipe déjà. Alpha aussi, on bouge pas en couverture est. Normalement, le chef avait dit que vous deviez être sur le bâtiment le plus à l'ouest. Bon, maintenant je sais pas. Pardon. Ah, bah c'est toi, Sparfel. Oui. Parce que j'ai entendu Nat parler. En tout cas, niveau effet pyrotechnique, on est servi. Je suis content d'avoir. Ok, ça va aller assez bien. Je suis content d'avoir remis mon vieux blaster. Là. Ah merde, la, j'ai pas la mis, vieille ouais, de Sparfel. Bravo, j'écoute. Une fois que tes hommes sont placés, rejoins-moi sur le toit du bâtiment le plus à l'est. Ok, les mecs, je suis sur le toit. T'es à combien de mun là, Froggy, tu peux me dire? Ok, Sparfel, je suis là. Presque fini mon premier chargeur de 100 balles. Je vais voir là. Ok, ça marche. Ouais, le bâtiment, ça veut dire qu'il m'en reste encore au moins 40 avec le lampadaire bleu.
Ok. Le lampadaire bleu, négatif. Les deux que j'ai sur moi. Un lampadaire bleu accroché à la façade. Non allumé. Ouais, vu. Tu vas aller occuper ce bâtiment là. Ok, c'est bien pris, on est parti. La couverture d'Alpha qui reste ici. Ok, pas besoin d'attendre ton top, on part dès que prêt. Ouais, allez-y. Parti. Non, attends, la vieille. Ouais, je t'écoute. T'as des vues, j'ai un coup d'œil derrière toi à l'ouest avant de partir, histoire de pas te faire fusiller. J'ai déjà un homme sur cet axe. Il y a des fumées nord-ouest, les gars, faites gaffe. Contact nord-ouest, touffe, sur le nord-ouest maintenant. Combien de mètres, combien de mètres? Je sais pas, 200, 300. Ah, vu. Autorisation d'engager. On peut menacer le groupe qui se déplace. Pas encore? Alors, je les vois pas, mais suppresse. Alors que je redescends au pied du bâtiment. Ah, je l'ai vu, il commence à traverser. Oui. Il défile vers la droite. Ouais. On a le groupe Bravo qui va bouger vers le nord-est, là, par la rue. Quand ils se mettront en mouvement, tu les couvriras. Ah, ils sont en mouvement, là. Bah, tu les couvres. Vas-y, rentre dans le bâtiment, je surveille. Ils sont cons ces ennemis, ils balancent des fumis pour dire où ils sont avant qu'on les ait repérés. Ils font des assauts à la fumigène quoi. Ok, tu maintiens le secteur tout. Ah, reçu. En espérant qu'ils vont pas traverser la route sans qu'on les voit pas. Ok, nickel. Bravo, sur mon position au bâtiment. Quand il y a une cible assez loin là en plein est. Bravo, il faut que vous poussiez au bâtiment qui est un peu plus au nord. Le bâtiment qui a un garage à l'intérieur. Ok, c'est reçu. Ouais, si c'est pas à portée de tir et que t'estimes que tu vas les trop de balles, Thierry, tu tires pas. Ah non, je l'ai pas abattu, mais il est en fonction là. Ok, d'accord, ça marche. Mais ouais, j'économise les balles là, on est à limité, c'est vrai. C'est parti pour durer encore. Ouais, on va les laisser utiliser les leurs, je pense. Ça jaillir. Alpha, tu t'es pas passé loin. Alpha. Répétez Alpha. J'écoute. Vous allez pouvoir vous positionner, faire mouvement et aller vous positionner dans le bâtiment en 039 041 pavé numérique 5, celui qui est vraiment en plein milieu de la case. Nord-est, sud-ouest. 87 pour être exact. Ok, c'est reçu. Ok, ah les gars, on va descendre. On va bouger sur le bâtiment qui est azimut 40, si le dernier là. On est déjà sur zone sur le bâtiment qui sera légèrement à votre nord-ouest. Ouais. Oh, ça y est, il réplique. Hein. Allez, on descend. Hey, Froggy, vous ouvrez, vous avancez là jusqu'au bâtiment qui est juste là avant le carrefour là. Le dernier bâtiment avant le carrefour. Oh, je te suis. Traverse. Hop, tu passes devant, tu m'accroupis. On investit hein, carrément. Ah, Bah tu peux checker. Mouvement, là. Sur le toit, il y a déjà des mecs. On rentre. Des mecs, là. Oh, y'a un mec dans le mirador, plein nord. Ah putain, ouais, je suis avec toi. Essayez de le fumer, les gars, mais faites gaffe à vos plans. 3, 2, 1, top. Là, ça y est. Là, ça y est. Ok les gars, rentrez à couvert. Il y a des mortiers qui vont arriver sur notre gueule.
Ah, ah bon bordel. Merde, pardon. Sérieusement? Bah c'est ce que j'ai entendu dire, hein. Un chargeur. Bonne nouvelle. Ok, impeccable, tout. Alpha, le bâtiment que tu dois occuper est un immeuble résidentiel à 2 étages plus terrasse. Enfin, rez-de-chaussée, étage, terrasse. Ah, t'es dans le coin, c'est parfait. Mais déjà, y a déjà tout le monde dans le bâtiment en fait, dans ce bâtiment là. Celui où on est ou celui juste à côté? Ouais, le nôtre. Celui là, là où on okay, est. Ok, on va sur celui à côté. Ressortir à, à côté où? Juste l'opposé d'où on est venu. Ok. Là, ici, ici, ici. Ici, ici, venez, on monte l'escalier, on monte sur la terrasse. Ok. Allez, go. Je monte. Allez. Ah, qu'est-ce qu'il fait, mon. Là. Montez l'escalier là. Vas-y, monte, monte. Allez, go. Tu vas sur la terrasse, touffe, tu viens. T'es occupé. Ah, mais tout est occupé. Non, c'est bien ici, vous êtes là. Bravo, des leaders. Ouais, tu tires. Il est mort, il est mort. Bravo. Ah merde. Touffe. Et côté mosquée, il y a un nord-est, il y a un bâtiment à l'angle. De nouveau. Bah, ça, je vous laisse regarder, moi j'ai terrasse. Prends le nord-est. Avec l'escalier qui dépasse en triangle sur la terrasse, est-ce que tu le vois? Si lui il sort sa tête. Il ne sort pas. Je garde un nord-est. Ouais, je le vois, je le vois, je le vois. Avec entrée sur la façade arrière. Ouais, effectivement, d'ici, je vois pas l'entrée en tout cas. Ok, tu vas rejoindre ce bâtiment sous la couverture d'Alpha qui est sur un toit. Sur mosquée. Tu peux y aller quand tu veux. Ok. Si, si, il est mort. Passer à travers les compounds pour prendre le bâtiment à de mortier nord. Vous me suivez pour l'instant. Bon, c'est ils sont précis oui. Comme ça va. Tu parles du bâtiment juste en face, à 1030 là. Ouais, là tu vois, c'est là où il y a une cage d'escalier un peu en triangle sur le toit là, c'est, okay, c'est là où ils vont. Et nous on ira où après? Toi, Tira. Sinon ils sont morts. Touf. Ouais. Tu les couvres, ils vont sur le bâtiment en vain. C'est reçu. Toi, Tira, probablement sur le bâtiment le même, un bâtiment résidentiel. Ah non, un bâtiment avec une A-arche qui est au 65-70. J'ai l'heure de faire gaffe parce que dans le Mirador là au plein nord on avait un mec. Il y a peut-être d'autres gars au sol. On voit pas bien parce qu'il y a les palissades. Oula, ouais, bah voilà, ils en ont eu un. Ah là, il est sorti. Vous voyez bien là, Alpha. Ouais. Tu vois le bâtiment à coup, c'est un bâtiment aussi où il y a une mosquée, un escalier qui arrive en terrasse au 70. 70. Pas très loin là, une centaine de mètres. Avec le garage là-bas, sur le coin? Non. Avec une pergola là, enfin un avant-toit. Contact, derrière la station service. Ok, ça marche, on ira là-bas. Contact station service. Ça sera là ton objectif. Contact derrière, contact sur l'ouest. Contact sur l'ouest. 340. Mosquée encore. Tu vas avec toi tout à l'heure s'il y a besoin. Ah, reçu. Et Thierry, il bascule sur l'ouest sur les contacts sur la station service. Ouais, je suis avec tout à l'heure. Ok, très bien. Mais oubliez pas de courir aussi les potes qui sont sur le nord. Ouais, reçu. Ouais, il ressort. Joli. Il a battu. Ok, bon boulot. Ça commence à se calmer là, ils sont tous entretués. Je crois. À la mosquée, il y a encore du mouvement. Chargeur 9. Il est mort lui. C'est un Christy dans le mur ou quoi? Ok les gars, notre prochain bâtiment ce sera celui qui est à Zénith 70 avec la pergola. Si vous le voyez, il y a une espèce de petit auvent au-dessus de la porte. C'est notre bâtiment, on passera par la gauche des murs, par là où est passé Bravo. À mon top, pour l'instant reste sur le toit. C'est quoi une pergola? C'est l'espèce de petit. Espèce de petit porche en. Un petit toit. D'accord, ok. Mosquée encore. Oh bon sang, mais à chaque fois. Ils ont quoi là-bas là? Bande de malheureux, c'est la sortie de la prière, c'est tout. Ah, lui il est pas mort, je crois. Non, j'ai pas l'impression, il est tombé un peu trop. Bravo de leader.
De Bravo pour l'instant, bâtiment sur occupé. Sur le rempart de la mosquée. De Bravo, bâtiment occupé, RAS. J'ai pas. Toit RAS, c'est en position. Ah, ils sont déjà en 60. Ah, oui. Bien reçu, Bravo. Prenez bien position sur le toit pour une meilleure couverture de l'autre groupe. Ok, ils sont en 60, donc on va pratiquement sur la même position que quoi. Contact station service, baisse-toi, c'est parfait. Baisse-toi. Ouais, toi, t'es fort. Ouais, t'en as eu un. Encore? Un négatif, je crois que tu l'as eu, c'est bon. Touf, tu vas ouais, rester bon. Sur ce secteur et fais gaffe aussi où à l'ouest parce qu'il y a de la fumée. Ah, reçu. À l'ouest? Ouais, tu okay, plein à l'ouest, ok. Yonk, mosquée pour changer. Ça y est, maintenant il veut plus me mettre mon bipier comme il faut. Putain, mais il a pété au schnock la vieille quoi. Ouais, il allait sur notre position en fait. Je position pas, initiale je était peut-être pas terrible. Non, bah il a pas compris le bâtiment, c'est pas grave. Bon, bah du coup, vous allez prendre leur bâtiment comment là qui devait prendre la coup, tu peux y aller maintenant. Ok, d'ac. Ah, c'est quand même qu'on descend. Bon, les gars, on prend le bâtiment Azimut 20, okay. Le bâtiment. À gauche, ça, y'a des contacts. Bâtiment Azimut 20 où il y a le toit là, on y va, on descend et on y va maintenant. Ok. Parfait. Ah, il est plus là. Il y a un camion dans la base là où il y a le Mirador au nord. Il y a un camion de transport. Ok, voilà. Il est vide? Je sais pas du tout. Ouais. Pour info, pour extraction, pour destruction. Ouais. On va faire comme s'il était vide. Pour la tête tirée, lequel il parle, je suis pas sûr à 100%. Vas-y, passe par la gauche. Ouais, bah vas-y, passe par là, c'est nickel. Ouais, une petite paire. Normalement, ils sont passés déjà par là, bravo, donc ça devrait le faire. Là, c'est ouais, c'est sur la gauche. Ah, c'est le bâtiment là où il y a le toit là-haut, au fond. Un peu plus de 100 balles pour moi. Ouais, tu rentres là, sur la porte bleue, et puis on monte. C'est tout ouvert sur là où il y a pas de dire. Il y a déjà un mec à nous là-haut normalement. Je viens de le voir en arrivant. Je monte. Alpha de leader, même pas besoin de monter dans le bâtiment. Oh oh oh! Vous allez bouger direct, oh là. En direction. Ah de... non, je veux pas mourir moi non plus. Va ramper dans le riz là, dans le blé, je sais pas ce que tu fous. J'ai pas non plus. Pas, putain. Ok les gars, en fait même pas besoin de monter, on va rester au rez-de-chaussée. Couverture sur la route principale à l'est. Oh, y'a quelque chose à l'ouest là non? J'ai failli mourir. Encore? Non, 2 alpha, j'étais un peu en galère, j'ai compris qu'on restait au rez-de-chaussée du magasin, c'est ça? Tu peux avancer pour 10 s'il te plaît? En passant plus ou moins à travers le marché, mais en longeant à droite les bâtiments où se situe la vieille. Pour rejoindre le bâtiment qui se situe à l'opposé de ton bâtiment actuel à l'est. Confirme que t'as bien compris le bâtiment dont je parlais quoi. Ouais, le bâtiment avec les liserés bleus pile à l'est, après le marché. Affirmatif. Tu peux faire un mouvement quand tu le sens. Ok les gars, on se met en mouvement, vous êtes tous au rez-de-chaussée, on traverse le marché à l'est, il y a un bâtiment pile de l'autre côté à l'est avec des liserés bleus, pareil on prend position dessus, on essaie de monter sur le toit. Go. C'est parti. Je suis fouillé. Tire à gauche. Tire à gauche. Wow, je suis touché, Putain, je l'ai pas vu. Ça va touche? Ouais, je suis touché. Je vais me soigner avant de partir. Ok, Froggy et Thierry, essayez de rejoindre le bâtiment et vous nous couvrirez de là-bas. Je peux bouger encore si tu veux. Ah mais non, jambe gauche, je peux pas courir. Soigne-toi. Celui devant là plus loin. J'ai pas vu d'où ça venait. A tapé dans la vitre. Donc, je vous rappelle, c'est le bâtiment avec le liseré bleu. Et je suis bon. Ok, quand vous êtes prêts à nous couvrir, vous nous le dites, on avance vers vous. Pour info, les contacts étaient sur notre plutôt vers l'ouest. Non, on est en position. Ok, go touf, on y va. Ah bon. Ouais, ils sont à gauche là, devant les maisons.
la colline. T'es avec moi, Touf? Ah, je suis là. Ok, impeccable. Du bon boulot. Bah, écoute, 330. Ouais. Mets-toi à la fenêtre, Touf, tu prends l'ouest. Ouais, on suit. Ça va les gars là-haut? Ah, je vais monter pour les voir. Ça va les gars? Fais aller. C'est pas trop chaud là? On n'a pas mieux donc. De Alpha. Patrouille de 4. Allez, Alpha. En position, mais position pas terrible, donc on va pas pouvoir tenir longtemps. Si c'est chaud les gars, vous redescendez, hein, y a pas de soucis, on se met aux fenêtres, on la joue sécure. Alpha, soyez habité, vous avez du contact assez proche à l'est. Et on a fait un contact très proche à l'est, faites gaffe. Grenade. Bravo, essayez de trouver un bâtiment sur l'est qui pourrait vous servir pour faire votre prochain saut. Touf, c'est reçu. Ouais. Viens prendre ma place sur cette fenêtre là. Il y avait un contact et il y en a sûrement d'autres. Tu vas voir son cadavre là, à l'est. Ouais, c'est vu. Froggy, Thierry, ça va? Ouais, on est bon. Ok, nickel. On va prendre... Ouais, regarde. À gauche du bâtiment, on va voir son ombre. Vers le bâtiment à gauche. On vient. Ça va tout? Ouais, j'en ai abattu un, je crois qu'ils m'ont aidé au-dessus. Impeccable, impeccable. Thierry? Y'en a un autre les gars. Joli tir. Thierry, je vais mettre un petit coup d'œil au nord de temps en temps si tu peux. Bien reçu, essayez de décrire le bâtiment. C'est le deuxième bâtiment. C'est reçu, je rappelle, si c'est chaud, vous redescendez. Oh, je t'ai vu disparaître, c'est parfait. Donc, en gros, c'est là-haut, il y a déjà deux hommes, hein, c'est surexploité. Okay. Restez à cet étage-là, je pense. Je vais rester sur le mettre sur le balcon. Doc? Ouais, t'as besoin de soin? T'as beaucoup de morphine ou? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Vas-y, tu peux m'en balancer une. Je souffre un petit peu, du coup ça me fait les... Sinon on signale des contacts arrière, on en a traité quelques-uns, mal aux yeux. Le reste s'est évaporé. Ah, espèce de drogué. Bien reçu, est-ce que vous pouvez redonner la coordonnée GPS de votre bâtiment? Est-ce que c'est 041, 042, secteur 3? Confirmé. Négatif, coordonnée 040, 041, secteur 3. Ici leader, négatif, annuler le mouvement, c'est beaucoup trop loin, on suit la ligne bleue quand même, hein. On va piquer plutôt vers le nord là. Essayez de vous positionner aux alentours de Panama. C'est bien pris seulement, il n'y a pas de bâtiment. Avec pour votre info les gars, on est sur le nord-ouest de Panama. Là. Même si c'est un bâtiment sans étage, à la limite, n'allez pas trop loin et contentez-vous de rester plutôt au pied de la position d'Alpha. Ok, c'est reçu, on se met en route tout de suite. Vous êtes traversé assez rapidement, je vous ferai traverser rapidement si vous êtes sur place. Je monte 2 secondes Touf. Ah reçu. J'ai du monde ouest. Il y a du monde de la rue je pense. Ça va, ça gère ici? Ouais, c'est ce qu'on peut. Moi je suis un peu juste en munitions. Thierry, Probi. Contact 40. Contact 40. A priori on aurait un peu de monde à l'ouest là. Faites gaffe au-dessus. Il y aurait du monde à l'ouest. L'ouest? Ouest? On regarde, jette un oeil. Touf, t'as des bunes? Ouais, confirmé, j'ai deux chargeurs pour Froggy et plein de chargeurs pour les fusillés. Ouais, contact à l'ouest, confirme. Ok. Ouais, bravo, bah, ta position est. 265. Bravo, j'écoute. Il va sur la route. En fait, le mieux, c'est que tu essaies de prendre position dans un bâtiment qui est au nord de la position. J'y pourrais si tu peux, mais tu gardes suppression 12 quoi. Bon, tu es prêt. 30 secondes, on est sur le terrain.
Avant le prochain mouvement, vous prendrez 30 secondes pour vous réapprouver en munitions. Ça va être nécessaire. Il y a une flare au sud, peut-être des mouvements au sud. Ouais, bien vu. On va essayer de garder l'ouest, Thierry. Et le mec est dans azimut 270, derrière le gros bâtiment, en fait. Enfin, dans cet axe-là. Ok, ça marche. De bravo, ça m'est en train de me repositionner. Qui viennent pas nous prendre par les fesses. C'est parfait comme axe. Ouais, une exactement. Fois que vous êtes prêt, vous traversez, vous rentrez dans le bâtiment en face. Tu les vois, bravo Froggy, toi? Je les regarde pas particulièrement. Bravo, ils sont juste là. Dans la zone où il y a potentiellement encore des ennemis. D'accord, ça veut dire qu'on va continuer à bouger vers le nord, je pense. Alpha de leader. Alpha. Bravo, à traverser la route au nord et prends position dans le bâtiment, juste au nord de ton bâtiment. L'idée c'est que tu peux déjà regrouper tes hommes en bas de ton propre bâtiment pour t'apprêter à traverser et rentrer par la même porte, mais sortir par le rez-de-chaussée dans la cour arrière au nord. Et continue la progression vers l'est. Oui. Mec qui a crié. Abattu. Ok, on rejoint leur bâtiment et on part derrière le bâtiment. Contact nord sur la colline. Affirmatif. Ah putain, j'en sais rien. Tous, on décroche, on se met au rez-de-chaussée, vous réapprovisionnez, vous préparez le mouvement prochain. Et je suis ici, Froggy, t'as deux chargeurs dans ton stack. Et Thierry, t'as des chargeurs de fusillés encore plein. D'un coup, ça va. Merci, moi quand t'as fini, je marche. Je suis bien ici. Vas-y, prends les chargeurs pleins. Je repère. Tire au sud-est. Hein. Ouais, okay. Je repère après. À coup. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, t'as besoin de chargeur? Non, c'est bon, moi j'ai pas beaucoup tiré. Alors, il y a une autre fumée bleue là, de 90. Ok, garde le secteur, je vais vous dire ce qu'on va faire. On sort, on veut partir sur le bâtiment qui est au nord de l'autre côté de la route. C'est le bâtiment occupé par Bravo. On traverse le bâtiment, on ressort par la cour par derrière. Une fois qu'on est ressorti, on partira directement vers l'est, vers les prochains bâtiments. C'est reçu? Ouais. Nord, on traverse le bâtiment. Nord, on traverse le bâtiment et une fois traversé, on part vers l'est. Audio-véhicule. Okay. Véhicule audio? Audio-véhicule, ouais. Ouais. Attention, audio, probablement off-road. Bah, comment j'annule okay. Cette... Ok. On bouge pas. On a des vitres ici, hein, faites gaffe. Ouais. Il y a l'audio-véhicule nord-est. Depuis le nord-est, apparemment, l'audio-véhicule, les gars. Ou peut-être nord-est, je sais pas. De Alpha, est-ce qu'on freeze ou est-ce qu'on continue le mouvement? Quelle est ta position, Alpha? On n'a pas encore bougé, on est toujours sur la même. Nord-est, nord-ouest, peut-être pas. Sud-est. On va peut-être aller à l'étage. On est mal là. L'étage c'est mieux. Ouais, on est tranquille. À coup? Ouais. À l'étage c'est peut-être un peu mieux pour ce. Y'a pas de fenêtre donc on est plus en sécurité. Passe. Putain. Des leaders, est-ce que c'est reçu? Je suis sûr que je vais mourir en décembre. Répétez. On est encore au nord-ouest de Panama mais avec le véhicule, est-ce qu'on traverse quand même? Si vous pensez si la voie vous semble claire, vous avez autorisation de traverser, sinon maintenez la position. À vous le deux. Ok les gars, rendez-vous rez-de-chaussée, on va se préparer à bouger quand même. La physique avec Borman, je joue pas avec ça. La lit. C'est bon? Ouais. Yep. Allez go, direction nord. Ouais. C'est pas devant. Traverse. Ah putain. Dernier homme. Ok. Allez, on passe à l'arrière des bâtiments là. Vas-y, non, la voûte. Prends la voûte. Bravo, parlez. On part vers l'est. On longe vers l'est. Des toits, des bâtiments sur lesquels tu te trouves et pousse le plus possible à l'est. Les bâtiments qui sont là-bas à l'est, là, après le. Bravo, c'est fait. Après le vide large là. Ouais. Merci, bravo. Il sera peut-être. Je traverse. Ouais, je suis. Go! Alpha, nickel, le bâtiment dans lequel tu vas, tu prends possession et tu sécurises. On sécurise, on prend position sur la hauteur. Proche le véhicule. Bah, justement, on rentre, on se dépêche. Ok, audio véhicule. Touf! Froggy, reviens, Froggy!
Ouais, ah bon sûrement, ouais, celui-là. Je crois pas qu'on puisse monter ici. Si c'est chaud sur le toit, vous revenez à l'intérieur, il y a des fenêtres partout, ce sera nickel. Regarde, jette un coup d'œil. Touf, tu te mets à la fenêtre là, nord-est. Oh, fais gaffe, hein, c'est... Nord-est, ok. Putain, ils pourraient nettoyer leurs carreaux ici. Oh, oula. Et au nord-est, je le vois pas. Ça vient de la... Oh oui, je vois. À côté du bâtiment, là, nord-est. Nord-est. Nord-est, dans un campand, au pied du maison. Groupe de 3 au nord aussi. Ah bordel, je recharge. Ouais, y'a des mecs qui descendent la colline en 350 aussi. Ouais, c'est vu. Un chargeur. Des mecs qui descendent la colline 350. Je suis dessus. Ils sont abattus. Ok, nickel. Non, il reste un, j'arrive. Dès que le nord c'est clear, Thierry, t'essaies de garder un œil sur l'est. Ok. De Alpha. Parlez Alpha. En position nord et est sécurisé. Bien reçu Alpha, maintenez la position, bravo, va vous dépasser et traverser la route d'ici peu de temps. Ça c'est sud. Bravo de leader. Bravo. Vous rejoins sur le toit, le bâtiment le plus à l'est. C'est reçu. Ouais, je... Okay, vous voyez, vous confirmez que les tirs qu'on a entendus du technical c'était sud-est? À peu près. C'est pas le véhicule qui est au plein nord là. En gros, à part s'il a fait le tour. Pas. Vous dites quoi à propos du véhicule? On a une... Ça ressemble à une épave, non enfin... Ouais, non, c'est un utile. Ah bon? Ouais, je vois le... Ouais, donc là, il y a encore un technical, je pense. Bah, on l'entend. Sud, je le vois. Sud, le véhicule. Le véhicule sud. Putain, on le voit. Sud. Il est en... Gauche. Il décale gauche, ouais. Ah, tu t'apprêtes à accueillir le gunner. Tu t'apprêtes à accueillir le gunner, Froggy, d'accord? Froggy? Ça dépend. Froggy, il va arriver. Contact 110. Je me prépare. Je le sens pas celui-là. Ah, il va arriver par l'est, il arrive. Il va arriver par la route. Ouais. Je suis prêt. Ouais, tous, ça tourne. Ouais, go. C'est bon. Impeccable, beau boulot. Il y a un autre technical qui arrive par le nord-est en azimut 50. J'aime pas les mitrailleuses lourdes. Thierry? Oui. Planque-toi bien, hein. Ah ouais. De bravo, on signale technical tombé. Contact également en provenance sud, certains traités, peut-être d'autres fantômes encore nous ont vu. Attendez. Commençons notre mouvement. Ouais. Il est là. Ouais. Oh putain, ouais. Tu vas le voir, Froggy, il est là, Froggy. J'ai pas. Juste sur l'est, fais gaffe. Je suis sur l'est, mais je le vois pas. Grenade. Merde. J'ai balancé une lumière. Bon, Froggy, maintiens, mets-toi sur le coin, maintiens, dès qu'il passe, boum boum. Ouais, je crois qu'il est... il bouge plus, même. A tout signaler si le deuxième technical a été neutralisé. Si c'était pas armage, je sauterais sur le toit d'à côté. Négatif, il est sur le carrefour, juste sur notre est, là, et il bouge plus, on sait pas quel est son état. Contact à droite. Bien reçu, Alpha, essayez de faire une investigation, ça sera possible. Ouais, sud, il y a des contacts. Froggy. Froggy, Thierry, ouais. J'aimerais bien que vous rentriez pour l'instant. On va rentrer parce que là ça devient chaud. Ouais. Moi aussi.
Hop, go, mettez-vous aux fenêtres pour l'instant, le temps que ça se calme. Oh là là. Touf, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ok, nickel. Enfin, je te dis. Ouais, de bravo, on est en mesure de contourner pour prendre le technical à revers si possible, enfin si nécessaire. Touffeur? Ouais, dis-moi, c'est vous, moi. Si leader, bravo, vous voulez contourner par quel côté? Par le nord. Ouais. Thierry, Froggy, les contacts que vous avez repérés, c'était où? C'était sud? C'était sud, mais je les ai abattus. Accordé, bravo, par contre, il y a du contact sur notre. On les voit là, tu vois le cadavre en plein sur la route, et l'autre sur le bâtiment. Ok, il y a Bravo qui va aller se charger du technical au contact. Nous, on va remonter sur le toit, on va essayer de les couvrir nord-ouest. Apparemment, on a du contact nord-ouest qui arrive sur nous. Ok? Ouest? Nord-ouest. Ok. Nord-ouest, ok. Allez, la colline go. Encore, c'est ça? Ouais, je sais pas, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Nord-ouest. Quoi, on monte sur le toit? Au nord, là, au nord, sur la route, il y a un mec qui se balade. Sur le toit? Ouais, ouais, allez-y, allez-y, sur le toit. Ok, j'ouvre. Il y en a deux. Ah putain, ouais. Mauvais visu. Hop, le technical s'est arrêté. Ça sent le mec qui est sorti, faites gaffe. Sans nouveau là-haut au nord. 3 au nord, 3. Ok, nickel, vous restez dessus, vous suppressez. Tire derrière, sud-ouest. Quoi? Sud-ouest, ça vient. Mouvement de troupes, il y a des affrontements au sud-ouest. Allié, allié, allié. C'est lourd. Ouais. C'est allié qui bouge le pick-up? Allié, ça? Pick-up, pick-up! Ok, bien joué, les gars. Je crois qu'ils sont chargés, les gugus, là. J'ai pas compris, là. Ok, bien joué, reprenez vos secteurs. Donc sud-ouest, tu dis qu'il y avait des contacts? Ça s'affrontait. Ils sont pas sur nous, mais il y a deux groupes qui s'affrontaient. Ok, bon, bah... Bravo, deux leaders. J'irai à mi-chemin entre nous et l'aéroport. Ok, bravo, ça va, c'est bon. Les mecs qui descendaient la colline, là, vous pensez qu'ils ont été fumés ou ils sont planqués, là? Pas sûr. Ils sont tous neutralisés. Ok. Ah, j'ai gardé un œil dessus, faut. Ou derrière principalement. Ouais, je confirme, mouvement à l'ouest là, sur la route. Ah putain, derrière. Derrière, derrière, au sud, sud. Sud, très proche. Abattu. Abattu. Touf. Touffeur. Touf. Ouais, je suis toujours là, je suis bon. Ok, Touf, par les fenêtres, tu prends le sud là, on a abattu un mec, c'est pareil, tu gardes le secteur là, entre les maisons. Et dire qu'on est censé être plus ou moins neutre. Tu gardes un oeil sur les mecs à l'ouest, oui, Thierry, voilà. Tu dis quand ça approche. Ouais, là j'engage nord-ouest. Je crois qu'il est en haut, je crois. Ok, ça marche. À coup? Ouais. Ouais. À coup? Ok. Donc il y a la vieille qui est en train de pousser là. Si tu vois sur ta carte, mais à l'est, il y a deux pâtés de maisons un peu de la même forme. Un avec trois maisons, un avec quatre. Mm-hmm. Donc la vieille va se mettre dans le pâté maison avec 3, quand il est bien en position dans le pâté maison avec 3 maisons, toi tu vas traverser ce pâté de maison, aller te positionner dans celui où il y en a 4 de maisons et faire pareil, tu prends position procession du pâté de maison. Ça veut dire que tu choisis une maison, soit une maison qui est la meilleure et qui te permet de contrôler un peu on tout, charge. Soit tu dispatches des mains. C'est des bon, armes. Je sais déjà laquelle je vais prendre celle qui est en 60, 70. Ok, bah si tu vois c'est parfait. Donc quand la vieille sera en place, voilà, je te dirai de faire ça. Ça marche. C'est bon, toujours bon en munitions les gars. Technical nord-ouest, armé, faites gaffe. Nord-ouest? Planquez-vous. Ouais, il arrive depuis la route où il y avait les gugus. Oh oui, je vois, ouais, descendre.
Technical du Nord depuis la colline. J'ai plus de grenade par contre, on le verra pas. Je vois plus. Qui est là? Plein nord. Jamais la porte. Tu me planques. J'ai plus quoi l'initiative. Lève-toi pas, tout le monde à terre. Dieu. Tout le monde à terre, on laisse passer. Peur. Je crois que lui il laisse pas passer. Il est juste là, mais vraiment juste là. Alors. On laisse passer, on laisse couler. Ça va touf. Ça va toujours. Bon, de bravo, on est en position dans le bâtiment. À l'ouest. Il est parti vers l'ouest, ouais. De toute façon, les gars, on va bouger, donc essayez de rentrer là, si vous pouvez rentrer. Alpha fera un mouvement pour vous dépasser et prendre possession du pâté de maison juste après à l'est. Disais, on va bouger, donc si vous êtes. Si le technical vous est pas un danger pour vous, vous rentrez. Bien reçu. C'est pas le cas pour moi. Allez, go, on rentre. Je descends. Ouais. Pas besoin de se mettre au rez-de-chaussée, mais au moins rentrer quoi. Je vais voir, je suis super juste, je vais faire un repack vite fait. Ok, ça marche. Je pense qu'il y a moyen de chargeur après. T'es bon en mine, Froggy? 330 balles encore environ. Alpha de leader, quand t'es prêt, tu peux faire le mouvement vu que le technico, je sais pas où il est passé. Mais... Ok, c'est reçu, on fait un peu de logistique en ce moment en mouvement, je te donne mon top. Donc les gars, ce qui va se passer, on va sortir du bâtiment, on va partir vers l'est, on traverse, on va arriver sur un compound où il y a trois bâtiments, il y aura Bravo dessus. On continue, on traverse encore une route et il y aura un autre compound, je vous dirai sur quelle maison on se mettra à ce moment-là. En gros, on va vers l'est. Ouais, j'ai pas usé beaucoup de munitions, je crois, donc s'il y a un moment, il vous en faut. Ouais. On va pas hésiter. Touf! Contact au sud. Je sais pas. Défile vers la gauche, il va se retrouver. Ouais. Qu'on a au sud-sud-est. Vu. Oh, mais ça en fait en quoi cette fenêtre là? Il est mort ou il est pas mort? Il est bizarre. Ok, bon les gars, on se retrouve pour être chaussé, on va dégager. Voilà. On va l'ignorer. Ouais, je redemande un ou deux chargeurs à Toofer. J'ai le temps de faire un repack? Non, tu le feras plus tard, Toofer, là c'est trop tard, on va bouger. C'est reçu. J'ai pris un chargeur tout à l'heure. Allez, on descend. Okay, en avant. On descend, c'est parti, on sort et direction plein est. Et hop. Autorisation d'éteindre le moteur pour pas avoir une de nuisance. Non, on s'en fout. Ok. Je ferme. Go. Plein est. T'as contact juste au sud. Oh. Rien. Voilà, tu l'as vu, Freddy? Mec que je disais là, faites gaffe, il a peut-être un pote aussi. De Alpha, bravo, on a du contact au sud, vous pouvez nous couvrir. Ah, c'est bien plus. Mais on a une mauvaise visu, on a la mosquée entre nous ici. L'ours haute torse. Pourquoi on a un gros gilet pare-balles comme trop ça? Gênant, vous smokez, vous traversez. Thierry, t'as des smokes? Ouais, une. Ok. Jamais au niveau des technicals. Attends, on va attendre qu'il soit soigné. On va attendre qu'il soit soigné. Les smokes, on les déploie sur la route là vers le sud. Okay. Ça marche? C'est bon. Moi, je suis en train de repositionner ma MG. Allez, on va couvrir le sud. Smoke sur le sud. Mais qu'est-ce qu'il fait? What? Pourquoi je... C'est bon. Thierry, tout faire, vous couvrez, je traverse avec Froggy. Il y a une traçante qui vous est passée au-dessus de la tête, les gars. Hein. Alpha, bravo. C'est bon? Allez. On est bon, les bon. Autres, on traverse. Go. Attention au nord. Nord, sur le coin. Nord. Fuck. Négatif, Alpha, c'est moi. Ah, ok. C'est Ami sur le nord. Il manque tout faire. Bon bah si vraiment que ça avait rien, vous prenez votre position. Mais Vas-y, traverse. Quoi, non. Allez les gars, on continue vers l'est. On va sur le bâtiment, dire. Non, le bâtiment 70 là. Le bâtiment 70 avec le balcon. 70.
nord-ouest sur la maison dans la colline, faire des contacts. Allez, on fonce sur le bâtiment, on prend position dedans. Go. Ah, tu peux monter ici, Froggy. Le toit est clear. Ok, nickel. On prend position là sur le balcon, c'est très bien. Ouais, on peut aller plus haut, mais c'est pas intelligent. Non, c'est bien ici, très bien, très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous répartissez entre l'ouest, le nord et l'est. Leader, j'ai marqué des ennemis sur la colline nord-ouest, Flair. Ok, sur Flair, c'est sur la Flair, c'est des ennemis. Ouais, ouais. Mais il y en a d'autres aussi plus à gauche, là où tu vois la fumée. Là, ouais. Merde. Il y a un ennemi qui se comprend une luciole là-bas. Mais non, c'est... Technical nord. Technical qui arrive 500 mètres au nord. Technical oui. Qui arrive depuis le nord. Il était sur la route là, loin, loin, loin. Froggy, place-toi sur le nord. Bah ouais, ouais, je suis. Plus à gauche, Froggy. Ah. Là où je suis vraiment. C'est plutôt nord-nord-ouest. Touf. Ouais, on le voit. Oulala, loin, loin, loin. Ouais, ouais. Trop dangereux pour nous. Nickel, Touf. Là, à quoi? Si on engage, c'est lui qui a l'avantage. Il arrive, je me remets. Il arrive. Il va aller sur la route là. C'est sûr, hein, si tu peux pas traiter le tireur. Attention, messieurs. C'est bon, je l'ai eu. Ouh. Oh, joli. Allez hop. Stop, monsieur, stop. Non, mais il est mort, hein, il est mort. Ouais, mais. Ah, ouais. Ok, gardez vos positions. Alpha, dessignez-moi quand vous êtes en position. C'est toi qui l'as eu, Freddy, le tireur? Le tireur, ouais, j'ai largué une. Alpha, attends, on est en position, on a traité le technique. J'y ai pas trop cru moi-même, mais apparemment. Ah, bon. Ah, non, franchement, joli. Hein. Non, monsieur Alpha, je vais demander à Bravo de faire un mouvement dans ce cas-là. Ok, garde la colline, Thierry. Pardon, répétez. Bravo, patientez, je check un endroit pour que vous puissiez passer. On s'en sort très très bien. On attente. Pour votre info, on est actuellement 042. Pavé 8. Ok, bravo, vous allez pouvoir vous positionner directement au nord d'Alpha, c'est-à-dire bâtiment 042-043, pavé numérique 2, celui qui est à droite de la route jaune. Ouais, de bravo, c'est. Et bravo va se positionner sur notre bâtiment juste à notre nord là, c'est blanc. C'est reçu. Pour l'instant, on n'a aucune perte et on se débrouille très bien. Tiens, Touf. Le mec, il allait se cracher dans le mur. Ouais. Touf, ouais. Viens ici un coup. Tu vas te mettre ici, t'auras un bon visuel sur tout le sud-est. J'ai le temps de faire un repack. Ouais, vas-y, vas-y. Voir si j'ai un visu quand je fais un repack de là. Ouais, j'ai un mini sur le front du marché. Le sud, hein. Ben... Okay. On va me laisser tranquille. Il arrive, il arrive. Il est là, ouais, Froggy, il arrive. Ah, merci. Ça a été traité? Vous l'avez eu? Je le vois pas. Il est mort. Ouais. Putain. Oh bordel, mais il y en a combien de ces putains de technicals? Je sais pas, ils me laisseront pas faire de repas, les mecs. Un autre technical qui arrive du même endroit que le. Froggy, sur le même endroit que l'autre. Ouais, nord. Il est encore loin. Ah mince, que l'autre. Ouais, l'autre là. Oui. Ouais, bon. Ouais. Je me mets en position au même endroit. Hein. On vient de traiter un technical qui venait du sud, on en a un autre qui arrive par le nord comme l'avant-dernier. On pourra le traiter. Des miracles, c'est des miracles parce que ça arrive pas souvent, hein, donc je promets rien. Bah Thierry, mets-toi avec lui dessus pour être certain. Je suis à côté. Hein. Okay. Peut-être que je le vois, violent, je tire. Hein. Ouais, peut venir bravo, tu caches du nord. Il arrive. Ah ouais, il faut un Apache là. Non, ah, il coupe pas la route là, il coupe. Nous sommes actuellement sur position basing. Putain, les mecs, il y a un technical au nord, faites gaffe. Attends, ça va par contre, c'est dangereux si on engage. Oh, mais il a l'avantage. Ah, ouais, là, complètement. Attention, bravo, il y a un technical qui monte sur la colline sur le nord. Bah, je viens de le gueuler au cas où pour eux. Merci Alpha. Attention, on est pas repéré en fait. Ouais, il vient de passer derrière la colline. Bon, et il doit y avoir des affrontements ou un truc comme ça au nord-ouest parce que je viens de voir une grenade péter. Alpha. On commence. Ah oui, on voit là. Il est là, nord-ouest sur la colline. Sud,
trop dangereux là. Il va arriver au croisement là, croisement en T en Ah bordel. Non, je passe devant toi. Qu'est-ce qu'il est passé? Oulala. Il arrive. J'ai pas de visu encore. Je le laisse un peu avancer. Je tire un peu là. J'ai pas. Oh putain, trop tard. Ok les gars, ils traitent donc reprenez vos secteurs. Ok, c'est bon, tireur neutralisé. Oui, donc je disais, par rapport au point Pasolini, directement au sud-ouest, il y a un compound encerclé de murs avec trois maisons, avec un point bleu sur son coin nord-est. Tu le tireur ou pas? Parce que. Je sais pas. Vu. Votre prochain point où vous allez vous rendre. Soit dans ce compound, soit sur Pasolini si vous estimez que c'est mieux. Départ dès que prêt. Reçu sur mon top. Ok les gars, notre prochain objectif c'est les bâtiments qui sont sur notre nord-est là-bas. Plus particulièrement le bâtiment liseré bleu azimut 60 qui est derrière tous les bâtiments. Je sais pas si vous le voyez. Liseré bleu. Ah oui, il est loin lui. Il est loin. On passe par les bâtiments blancs. Si on rencontre de la résistance, on prend position sur les bâtiments blancs. Si tout se passe bien, on continue sur le bâtiment liseré bleu. Attention, contact sud-est. Ah ouais. Oui, donc. Oula, fais gaffe, c'est reparti là. Oh wow! C'est un technical là en fait qui tire. Ouais, c'est un technical, j'ai pas de visu. Il y a une traçante qui est passée à 2 mètres de ta tête, même pas ça en fait. Je sais pas comment elle est passée honnêtement, elle est passée. Fais gaffe à coup. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le bâtiment au nord et pareil comme tout à l'heure, on va une fois qu'on aura dépassé le bâtiment où est Bravo, on longera par l'intérieur par, vers l'est. Bravo, de leader. Il me reste bon 7, 9, bon, oui. Mais ils sont à moitié vides, c'est pour ça que je vais faire un. Contact infanterie, on va pas être dans le nord, le long de la haie de Peuplier. Allez, on descend. Prends, alors prends. Bravo, j'en prends un vite fait, juste. Contact infanterie ennemi, on approche par le nord, bah, le long de la haie de Peuplier. Ok, on descend au rez-de-chaussée, on se prépare à partir. Il bouge le technico. Il est sur nous. Droit devant, est-ce qu'il y a un contact? Merde, merde, j'ai tout feu à terre. Ok, restez tranquille. Tireur abattu. Alpha de leader, faites mouvement dès que possible parce que là sinon c'est infini quoi. Ok, tactique. Ça va ? Il est mort hein. Ouais, il est mort. Ok les gars, rez-de-chaussée on bouge, go. Ouais. Rez-de-chaussée déjà. Thierry, ça va ? Peut-être avoir besoin des mines de... qu'il avait hein. Ah, on peut plus là, faut qu'on dégage. Thierry ? À deux alpha, on perd bien un. Ok. Ok bien les gars, on passe sur le bâtiment de Bravo. On a un contact. Un homme, fusil. Je sais pas. Allez, on traverse les gars, le bâtiment jaune, le bâtiment blanc par la gauche. Ouais, bah on. Bâtiment blanc par la gauche. Voilà, maintenant on part sur l'est. Ouais, sur l'est. Je me soigne mes jambes, je crois que je me suis tordu des chevilles. De Alpha. Allez Alpha. On est en mouvement, on a perdu un homme. On a bien reçu Alpha. On va essayer de speed un peu plus là parce qu'on s'est bloqué par quelques T'as plus de munitions ou pas? Non, non, pas le temps. Ça fait très beau tour, mais j'ai deux chargeurs. Tu prendras les miens, Thierry. Go. Ouais, on rattrape les bâtiments blancs. À droite, putain. Oh mais putain. Le... 150 mètres contact. Ok. Ah oui, frère, on a. Je sais pas. J'essaye. Ouais, essaye. C'est bon, ok, on va avancer jusqu'au bâtiment qui est éclairé par le réverbère. Alpha, Alpha de leader. Traverse Foggy sur la couverture. Parti. On charge. Un chargeur. En progression avec Bravo sur votre nord. Il est mort. Ok, on traverse.
Attention, on a Bravo sur le nord. Bravo à notre gauche, Freddy. Ok. Ah oui, ok, d'accord, je vois où on est. Ce bâtiment blanc là, il est bien. Ah, il est tout pourri. Prends position dans le bâtiment marchand là, juste en face de nous. Là. Et Thierry, je te refilerai des chargeurs. Alpha de leader, si vous voyez que c'est plus ou moins clair, vous pouvez commencer déjà, Pasolini, vous pouvez commencer à pousser sur le campement de nord-est. Comment je vais te les donner? Contact sud-est. Je vais passer là. Un bon visu sur la 50 nord. Il va sortir 130. Mets-les par terre. Ouais, je vais te les mettre par terre. Du coup, on... Tac, 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 tac. Tiens, je t'en mets 4. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Ça va, Froggy, les munes, là? Ouais, à peu près comme avant. Ok, ok. Deux Alpha, est-ce que tu peux répéter? Encore un autre, là, qui va arriver. Ouais, Alpha, si Pasolini est clear, tu peux tarder déjà, comme pousser au campan de nord-est. Hein. Ok, reçu. Ok les gars, on descend et on pousse vers le campement de nord-est, le prochain campement juste au nord-est. Allez go. Aku. Oh putain, Aku. Ouais. On va avoir des contacts. Bravo de leader. Ok, ça marche. Si, bravo. On peut pousser sur le campement le plus à l'est du 043-044, c'est-à-dire à ton nord-est. Allez, on se planque là-dedans. Répétez coordonnées. 100 mètres à ton nord-est, 043-044, campant le plus à l'est. On se planque. C'est quoi cette maison? 043-044, campant le plus à l'est. Ouais, bah on reste à l'intérieur. Blanche, correct. Il y a peut-être le prochain qu'on peut faire. KP6, enfin secteur 6, correct. Correct. Ok, de bravo, c'est bien pris. Départ dans une minute. De Alpha. Parlez Alpha. En position nord-est de Pasolini, on a spoté un technical sur notre sud pendant la traversée. Bien reçu Alpha, je vous rejoins. Je suis là. Viens par là. Ouais, de bravo, on traite quelques contacts en ce moment en route immédiate. Ouais. Bien reçu, ouais, privilégier l'avancée hein, parce que faut qu'on avance. Là si tu regardes comme je suis, là t'as une porte de l'autre côté de la route dans le mur. Débrouille pour traverser et te retrouver dans le campement de l'autre côté là. Ça va? C'est-à-dire nord de la route. Ok, ça marche. On va aller vers Vénus en traversant un peu le champ là. Ça marche. Ok les gars, on va traverser la route au nord là par la petite porte. Il y a une porte là-bas sur la droite sur l'autre mur, on rentre dedans, on investit, on clear et on prend position. Ok. On reste ici 2 minutes, c'est parti. Sur un pack. Top. Vas-y, fais un pack. Okay. Je vais me mettre dans la petite. Bravo en position. Bien reçu, bravo, essayez de prendre un visuel sur Vilnius parce que Alpha va pas tarder. Et Froggy, mets-toi sur le nord, sur le coin, et toi Thierry, ouais, tu prends la porte là. On commence à voir le compound là-bas, la villa. Froggy, on a du contact sur notre ouest là-bas, ouest, et c'est loin, je les vois west. À la jumelle, ouest, ouest. Devant la fumée, ça descend. C'est peut-être trop loin pour toi. Un peu limite, hein. Ouais. Bon, bah, au moins on sait qu'ils sont là-bas. Reprends ton nord. Ah ouais, ouais, mais il y en a plus proche, hein. Non, j'ai rien dit. Pas terrible, franchement, là, pour engager. Reprends ton nord, c'est pas grave. C'est à nous ou pas, là, sur le 320? Ouais, c'est à mi. Ils ont un meilleur visu, sans doute, depuis leur position. De Alpha en place. De
avez reçu Alpha, quand vous sentez que c'est ok, vous pouvez progresser en direction de Vilnius si vous, s'il faut, en vous servant des bâtiments qui sont à droite de la route en direction de Vilnius. Ok, c'est reçu. Ok les gars, on va partir par la petite porte où Thierry est en train de surveiller là sur l'est. On rejoint la route et on longe la route vers le nord en servant des bâtiments jusqu'à Vilnius. On part maintenant. De bravo, avons perdu un deuxième homme. Bien reçu, bravo, du coup vous êtes plus que deux, c'est ça? Ok, vas-y, traverse. Et on remonte vers le nord maintenant. Rapidez derrière, comme. Ouais, on longe côté route, côté route. Bravo, du coup vous êtes plus que deux, correct? Correct. Dans ce cas, rendez-vous à Vilnius qui va être occupé par Alpha dans très peu de temps. Ok, mets-toi sur le mur, on va faire une petite pause. Rendez-vous à Vilnius, c'est reçu. Ok, nombre de contacts sud, défilant droit donc vers l'ouest. Ok, on va bouger sur Vilnius les gars, on reste pas là. Il y a du contact sur le sud. Go, go. Okay, go, go. Bien reçu, bravo. Maintenez-les si vous pouvez de votre position. C'est chaud, hein. Oh, ça pète grave là-bas. Chaud patate. Y'a plus rien qui pète depuis la patate. Ok, Froggy, position sud. Thierry, où tu veux. Vest. M'inquiète, fais comme tu peux. Les tirs de la vieille là d'un coup, je me dis, ils sont pris une patate. Le médecin il est encore en vie. Ennemi, là. Ennemi sur le 250. Au niveau du muret là-bas. Thierry, ennemi sur le 250, bascule là-bas. Oui. Ouais, devant le muret là, il passe devant. C'est à nous là, qui nous fonce dessus. De quoi? Ouais. C'est mieux de prévenir. Ouais, bah moi laisse tomber Thierry, je sais pas, j'ai entendu 250 mais visiblement. Bravo, une fois dans le j'ai campement dans sécurité, soignez vous si nécessaire et prenez position nord-est. Y'a un toit là, on peut pas y aller. Ok, bah remets-toi où t'étais. De bravo, ça me met en position, ça me pas touché donc RS. Ok. Okay. Et commencez à envisager un parcours pour rejoindre la villa au nord-est. C'est reçu. Ouais. Bon, normalement on est tous là, donc si tu vois quelqu'un à l'extérieur du campement, prends Guy Sedney. Ouais, ok. Ok. À coup? Ouais. Les hommes sont ok là, c'est bon? Ouais, ouais, j'ai tiré sur l'est et Froggy ils ont un médecin, on traverse. On passe, on passe, on passe. Il y a un médecin, allez-y, ici. Allez-y. Un médic, médic! Ok. Scarlock, viens ici sur le sud. Intègre-toi dispo, Nad, tu prends une. Je vais avoir besoin de matériel si je veux pas toucher encore. Bah, arrière, du coup. Ouais. Ouais, surtout que les mecs ils vont arriver. T'as besoin de quoi? Ah non, j'ai juste besoin de matos en fait, je suis totalement à sec. Ah ouais, bah vas-y, saute dans mon sac. Ah non, j'ai peut-être pas grand chose dans mon sac. C'est si peu grave que ça, merde, on a. Ah non, mais. C'est ce que j'avais dit. Ok, la vieille, positionne tes hommes nord-est et commence déjà à partir dans les champs en direction de la villa. À coup, va emboîter le bas. Ok. Tout ça parce qu'il a plus de temps, Pax. On prend position. Et à coup, dès que c'est bon, vers on verra si gros, c'est grave, tu vas suivre la vieille en direction de la villa, il va faire un parcours, tu le suis. J'ai pas grand chose. Pas du découvert, on est obligé. Enfin, en fait, en bandage, j'ai pas grand chose, mais. Tout ça, mon signal, on s'en est pris deux. Ouais, tu peux en prendre un. Bravo, qui partira quelque part vers le nord-est. Ok, de bravo, on est parti. Bien reçu. Attends. Attendez les gars, attendez. Ah non, ah pardon. Alors laissez un petit peu de distance. Déjà t'interromps tout avec tes bandages à la con. Ah mais si on fait le même truc que prendre les munitions, je vais me retrouver à fuir. C'est la bonne distance. C'est qui avec nous là? C'est Scarlock? Non. Ouais, je vous suis le temps de rejoindre c'est parfait. Ok. Buisson terroriste.
Putain, c'est tellement dramatique dans Arma quand tu perds un de tes potes avec le ragdoll tout pourri. Ça ajoute à côté. Waouh. Oh, qu'il s'amuse, hein, qu'il s'amuse. Ok, on se pose pas de questions. Ça me dérange pas. Ah, c'est des copains, ils se défendent. Oui. Non, mais c'est ça, c'est voilà, y'a un truc qui a pété au plein nord là. Ouais. Ah non, il faut juste une fight. Ça doit être Sparfile le gars devant, ouais. On passe à SWAT 4. Hein. Hop là. Bah, coup, tu restes ici, tu sécurises pour l'instant. Ok, les gars, vous avez entendu. Sécurise l'arrière et le flanc gauche. Pour ouest. Il n'y a pas les meilleurs couverts parce que là. Ouais, c'est pas grave. Le gros rocher qui est à côté de moi là. On va pas, ouais. On va pas traîner de toute façon. En ligne. Ouais. Ça fait, je te fais pas dire désolé. Pas de contact, repli les gars. Ouais, ok. Ouais, RAS. Ok, écoute. À coup, tu vas pouvoir, tu rentres dans le grillage avec tes hommes et vous le longez là sur 50 mètres en direction du sud. Quand vous vous retrouvez en dessous de la villa, vous pouvez monter en direction de la villa, de la cour intérieure. Ah, ça va? Ok, ouais, ok, on va essayer. Elle sera sur ta gauche. Ça marche. Il est sur ta gauche. Bon les gars, on longe le bordel. Ouais, là, on le longe. Le sud. C'est parti. Oh putain, j'aurai ma mort tout à coup moi. Ouais, mais pareil. C'est dès que tu regardes la ville en fait, tu tombes. Les nombres de d'images par seconde divisé par deux. Ah putain, comment il a fait pour passer Froggy? On continue jusqu'où comme ça là? Là on va reboucler vers la villa là. Acheter un petit œil sur la route. Essayez les diplomates. Je crois qu'on a le pire endroit pour engager la villa. Mais non. Ils ont déjà fait le boulot normalement. Bah bon. Non, je suis pas sûr. Non, ça m'étonnerait. Ouais, sur vos gardes, sur vos gardes alors. On rentre dedans ou pas? Je rusherai bien le mur. Hein. Ouais, pareil. Non, rushez pas. Tout doux, en ligne. Alpha de leader. Alpha, on est sur l'entrée principale de la villa. Bien reçu, vous pouvez sécuriser la villa et soyez avisés que à l'extérieur dans nord-est, il y a le groupe Bravo. Bravo est sur le nord-est de la villa. Fait. Ils ont pris leur fringues. Ok, on sécurise. La droite. Ok. Pire, droite. Diplomate à gauche, faites gaffe. Je monte. Je suis. Putain, allez hop, on monte. Les escaliers par la gauche. Et j'ai aussi. Clear gauche. Progresse droite. De salle. Allez, vas-y. Foyer. C'est bon. Et tu restes près de lui, Scarlock. Premier clear. Deuxième clear. Check. Attention au diplomate. Hein. Troisième clear. Ok. Encore un étage. Enfin, sur le toit. Qu'est-ce qu'il foutrait sur le toit, ce con? Ou le vieux reflet dans la vitre, c'est pas bon. Ouais. Rien non plus. Ok, donc on a un diplomate. Et encore un petit campement là-bas. Ouais, et on a des gars dessus. Oh, j'aurais bien aimé du combat dans ce truc là. On a eu une fois du combat dans celui-là, tout le monde est mort en. Ouais, je m'en rappelle. Ok, il y a un qui vient d'arrêter de des flammes là. Un homme civil, ne parlons pas notre langue, dans les bâtiments situés est de maison. Attendons. Oh non. Bien reçu, bravo, restez en position à proximité de la personne. Je vais m'occuper des otages, là on a trouvé l'autre, et ensuite on envisage l'extraction. Ouais, bah non, bah on reste là pour l'instant. C'est reçu de bravo, on reste sur place. Hélicoptère non? Ah bon? J'ai pas un hélicoptère nord-ouest?
Ça parlait d'hélicoptère allié dans le briefing, donc normalement c'est à nous. C'est possible. Alpha, vous restez sur le toit en sécurité pour l'instant. Ouais, dès qu'on a les otages, l'hélicoptère allié qui arrive pour sécuriser un peu, et il y a un mot ou quelqu'un qui arrive. Un mot négativement. Un mot, c'est ce qui était écrit dans le briefing. Ouais, on les voit là, les ex. C'est deux comment? Avec lui, tu restes dans la cour centrale. Je suis content parce que j'ai bien filmé, mais tout le monde va se taper une vidéo à 15 fps quoi. Ouais, bah là, elle sera à 50, t'inquiète pas. Ils sont loin les hélicos, ils veulent pas se mouiller. Hein. Tant mieux, c'est une chance. Il faudra pas qu'ils servent à quelque chose. Hein. Peut-être qu'ils nous aideront quand on arrivera dans la ville. Si on y arrive. Ça m'étonnerait qu'ils envoient une division pour reprendre la ville maintenant, quand même. Par quelques stragglers, on devrait être relativement tranquille. Alpha, laisse tes hommes sur le toit, allez, rejoins-moi dans la cour qu'elle avant la villa, on va voir l'itinéraire de l'extraction. Là. Qui est resté là, je regarde. V'là le support, quoi. Au centre. Les diplomates qui ne peuvent pas tarder le mec. C'est carrément une esplanade. Oui, une esplanade plutôt, oui, c'est ça. Alors, faut tout se retaper là. j'ai envie de passer plus à découvert pour aller plus vite quoi. Ouais, par la colline au nord. Ouais, j'envisageais sûrement ça, ouais. Ouais, on va à Vilnius et après on suit plus ou moins les maisons en bordure de plaine. Et même si on va pas exactement sur la colline au nord, on peut faire une ligne droite entre Vilnius. J'imagine qu'il s'appelle Heisenberg lui. Et le chantier qui est Walter White. 037-043. C'est Pinkman. Attendez, vous pouvez parler plus loin s'il vous plaît. 47-043. Vu ou pas le chantier? 047-043. 037-043. Attends, j'ai marqué le chantier. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en gros, ce serait plus ou moins une ligne droite entre ces points, tu vois, en utilisant les quelques maisons. On peut faire ça proprement en faisant un perroquet quand même, ça assure un minimum de sécurité. Ah oui, on fera ça tranquille, mais c'est pour éviter d'aller trop lentement, parce que dans la ville, ça nous a pris un temps fou, quoi. Ouais. Une fois sur chantier, ce sera, on fera par base militaire et on rejoint l'aéroport. Ouais, ça marche. En passant bien par la colline quand même, donc. Ce serait une bonne idée. Pas tant que ça, en fait, on sera exposé sur la colline, y a rien en haut. Plutôt dans les maisons, plutôt au niveau du carrefour 040-043. Ok. Je vais mettre des petits points bleus, en gros, à chaque fois, il y aura un peu une... tu vois, pour des points de repère. Ce des carrefour. Points verts, plutôt. Ouais, je mets des... Ouais, bonne idée. Des points verts. Chef, on a un... En gros, par là. Ensuite, c'est en gros... Par là. Et peut-être celui-là entre les deux. Ok. Et après... ouais, par là... Voilà. Ouais, couvert. Voilà. Plus ou moins ça le chemin. Ouais, ok. Ça va? L'idée c'est que... Je vais me charger des prisonniers. Je vous suis. Et ce sera... la vieille qui prend l'avant, qui fixe les contacts si besoin. Ok. Vous voulez faire un perroquet? On va faire plutôt un tiroir avec toujours la vieille devant. Ça va? Pourquoi pas? Pas de soucis. Donc voilà, à vous de définir quand vous faites les arrêts. Ouais, justement, okay. Ça sera un peu un groupe d'éclaireurs. D'accord, ça marche. Ok, on sort par là, on est entré dans le compound. Et puis vous pouvez commencer votre perroquet tranquillement, nous on s'occupe de vous suivre avec le médic. Ah, bon, on se met en position à l'entrée avec Nad. Ok, c'était quoi l'info, les gars? Go. Bah, pour se replier vers l'aéroport, on a un oued asséché au nord de notre position. Contre, si on le suit, je dirige globalement vers l'aéroport. C'est Walter White qui est en caleçon. Ah ouais? Ouais, bah le chef a déjà décidé l'itinéraire. Descendez, les gars. Vous savez leur nom, au mec? Je m'en rappelle plus. C'est
Ouais, non, les médecins, on est soignés. Ah oui, mais c'est des noms de lambda, les noms. Non, pour qu'ils s'appellent Walter White et Jesse Pinkman. Je vous explique vite fait. Je vous explique vite fait. On va repasser. On va repasser par Vilnius. Ah, ok. On va passer par le carrefour. Ah, c'est pour ça. Vous voyez les points verts sur la carte? Ouais, ouais. Ok. C'est les points verts qu'il a rajoutés parce qu'on était regroupés. On va suivre les points verts. Et on va faire ça en tiroir avec le groupe de la veille, le groupe de la veille en avant. Et nous, on le rejoint à chaque fois sur la position. Voilà, tout simplement. Boum. On se rejoint du côté du grillage où on était rentré. Ok. Donc je crois que c'est sur l'ouest. Hein. Et ils ont le deuxième diplôme parce que j'en ai vu qu'un. Ouais, ils l'ont trouvé dans les petits baraquements où ils étaient là, où on les avait vus. Où on les avait vus fouiller. On attend un coup quand même. Ok, ça marche. Ça peut être des bons assez longs si tu veux. Là, je veux dire, il n'y a pas de grand danger, il n'y a pas de beaucoup de couverts ouais. En plus. C'est bon, Alpha, on est là. Voilà. Ah merde, non, non. Ça va. Ouais, voilà. C'est quelque chose, j'ai pas bien entendu. Bon. Je peux peut-être prendre les deux. Non, ça m'étonnerait. Ok, en position. Ah, ils sont déjà partis là. Bah, je peux cliquer dessus. Ouais, ils ont fait le premier tiroir. Là, ils sont devant toi, à 50 mètres dans les arbres. Ah ok, venez les gars, ils sont vers l'ouest là. Vas-y. Ah non, ça marche pas. Ah. Ouais, mais c'est pas possible. Ah non, ça marche pas. Ouais, on se mettra dans les buissons. Ok, on est là. Ok, on vous fera des petits signaux avec la lampe pour vous dire qu'on est prêt. Parfait. Un petit bip sur le radio et un petit signal de lampe. Allez, go. Ouais. Je vais marcher en crabe. Ouais, effectivement, ils ont fait péter un truc là. Il est pas con. Ok, Froggy, tu couvres toujours leur avant et puis Thierry, on couvre les flancs. Histoire de pas être surpris. Ah bah. C'est classe la façon, il fait très peu de bruit. Oh, futé ça. Ouais, hein. La petite cam light là qui va bien. Faut pas en avoir tout du long. Hein. Non, il suffit, ouais, ils ont fait pour le... il suffit de se l'attacher à soi, non? J'en ai pas moi. Enfin, je suis dégoûté. Ah, j'ai jeté tout à l'heure comme un gros con. J'en ai si tu veux. Non, ouais. C'était de la blague, je sais pas si ça va être utile vraiment. Jusque la veille fasse son petit bip radio. Alpha, vous avez reçu notre top. Un négatif, vous êtes prêt? Affirmatif, on vous attend. Ouais. Ok, bah on y va les gars, sur l'ouest. Je sais pas où je les ai pas partir. Okay. Yeah. Je suis là. C'était toi qui est en pointe, hein, non, Freddy? On alternait de temps en temps, donc on est trois, ça devrait le faire. Mais attends, droit devant là. Ah, c'est le copain ça. C'est le copain ça. Et la couleur de son uniforme a changé en fait quand il s'est retourné. Oh putain. J'ai pas compris. C'est le futur. C'est les camos du futur. Ah non, en fait, c'est que quand ils sont de dos, t'as le gilet qui est beaucoup plus sombre que le reste. Ok, on est bon. Kenad, recule. Donc, prochaine position sera certainement les baraques droit devant. Ok, ça marche. Ok, pour tout le monde. D'accord.
Ah, il bouge sur le sud-ouest là. Oh. Ou la bulle bleue. Ouais. Enfin, elle était pas très bleue, mais. Oui. Vous avez perdu dans votre équipe, vous? Touf. Toucheur. Contre le technical. En 3 minutes, on a perdu. 3 mètres, quoi. Tiens, on y va, les gars. Vas-y, je vais se passer devant. La vieille. Ouais. On voit très très mal les lampes torches sur la distance, alors un petit bip radio ça pourrait le faire. Bah écoute, je t'ai prévenu par radio encore une fois. Ah oui, j'ai non, pas entendu. Non, c'est toi qui te gourre la vieille, on n'entend rien. Ah bah des fois ça peut merder. Hein. Ok, ouais. Bon on est parti. Go. On va voir une silhouette 250. Mais pas lointain. Ok, donc là il bouge vers l'ouest. On est sur Vilnius là. En position. Ok, go les gars, on bouge vers l'ouest. Bon, bipied est très bien déployé, aucune chance que des ennemis arrivent. On est bon. C'est ça. Ok, nade avec moi. Donc prochain bâtiment, prochaine solution sera les bâtiments certainement qu'on a au nord-ouest. Ok, ça marche. Ah, je t'arrête tout de suite la vie. Non, là on va trop au nord là. Prends plus est, ouest, pardon. Donc quoi? Ah ouais, ouais, c'est ah vrai. Oui, pardon, tu l'entendais pas, on est trop nord. Ah, faut qu'on rattrape la route là. Ouais. Ça a l'air plutôt calme en ville là. Ouais, peut-être qu'il y a les échos qui font le ménage là, non? Non, on les entendrait. Bon, surtout c'est un des groupes de combattants qui est mort par rapport aux autres. Bon, je crois qu'on va arrêter de faire du perroquet, on va faire du on va se suivre à une centaine, 50-100 mètres les deux groupes en suivant l'itinéraire vert un coup. Ok, c'est là marche. C'est juste la prolongation pour de la prolongation quoi. Ça fait comme si vous saviez que j'étais humain putain. Ok. Ah ouais, c'est dommage. Go sud-ouest. On peut pas leur dire de s'accroupir un peu. Go sud-ouest Froggy. Ouais. Je dis ça parce que je sais pas si j'étais à portée de voix. Ouais, faudrait pouvoir leur dire de s'accroupir mais être ralenti. Un GPS à coup. Ok, donc. Non. De bravo, on est en position. Bien reçu, bravo. À coup, t'as un GPS. Oulala. Non. Quoi? Ils nous prennent pour un groupe d'attardés. Mais apparemment, ils ont pas mes communications radio, ils sont pas non plus tes communications radio. Alpha, maintenant à position, je vais vous donner un GPS. Si j'ai un, Thierry, si j'ai un GPS, c'est bon. Oui. Ah ok, bah j'en file un, Javier. Ouais, ils sont bien. Merde. Alors, te foutre le foot par terre. Ok, c'est bon. Et à mes pieds là. Tu le prends, on va arrêter le tiroir, on va faire une progression tous ensemble en colonne avec un groupe devant, un groupe derrière, en gros, plutôt moins. Ok, ça marche. Tu seras devant une cinquantaine de mètres, tu suis plus ou moins l'itinéraire vert. C'était prêt. Besoin, tu rejoins un couvert. Allez, bouge, change d'endroit pour qu'on se disperse un peu, sinon c'est ah, à okay. Tout le monde. Attends, je sais même pas où on est là encore.
Bah regarde sur le GPS. Ouais, c'est ce que je fais. On est sur le point 042, 044, point vert. Au moins. Ouais, ok, c'est bon, on est parti. À coup, bah tu le suis. Ça marche. Nous, on vous suit aussi. Let's go. Ouais, c'est une bonne distance ça. Avec leur otage de merde. J'ai un bug, je vois vous. Plus Thierry. Thierry, son nom qui se déplace. Ouais, je suis là. Vous le voyez vous là? Non, je vois pas. Moi. Ah bon? Hein, je vois pas. Je vois ton nom qui se déplace, mais tu vois toi d'un coup? Non, je t'ai en trans. T'es invisible. Je le vois bien. Putain, je suis l'homme invisible, merde, les mecs. Ça veut dire que t'es tout nu là, attention. Ah merde. Ah non, ça va, j'ai bien encore. Ah ça j'ai encore jamais vu. Tu vois mon ombre se déplacer en fait, mais pas moi. Même pas ton ombre. Tu vois juste mon nom, c'est ça, dans l'espace? C'est ça. D'accord, moi je vois pas parce que je l'ai désactivé, faut que j'appuie sur contrôle. Avant je te voyais apparaître par intermittence, mais maintenant plus du tout. Ah, faut que j'enlève moi. Ah, je le vois quand il est sur le bord de mon écran. Ah, c'est bizarre, hein. Ah ouais, il a la main droite là. C'est je suis l'ombre et tu me vois que dans le coin de ton écran. Ouais. flair sud, ouais exactement. Faut que je le surveille du coin de l'œil Thierry, c'est ça. Mais tu ne me verras jamais complètement. Pour la vieille, si besoin de faire des haltes, n'hésite pas quand même. Hein. Ouais, c'est reçu. Pour l'instant, moi ça va. Si vous en avez besoin, vous transmettez. Je veux dire des haltes d'observation aussi. Alors, la minute cynique. Est-ce qu'il va y avoir une erreur de script avec l'hélicoptère? Stop! T'as pas le droit de dire ça. L'homme invisible, c'est bon, hein. Ah bah non, il est plus invisible. Ah ouais, il y a à nouveau là. Moi, pas pour le moment. Mais côté aéroport, donc j'imagine que c'est notre porte de sortie. C'est parce qu'il fait nuit, il est black. Ah, dis donc. Souris, Thierry. Ça marche bien. Oh là là. J'ai envoyé ça à la... je sais pas son nom. La Ligue contre le racisme, vous avez en plein la gueule, les mecs. Hein. Ok. Bonjour. Pas la peine d'aller sur le toit. Ça semble super calme. On continue la marche. On trouve une entrée pour rentrer dans la base militaire et puis on traverse. C'est parti. Let's go. Pardon. Pas trop tôt. Oui. Ça y est, t'es de nouveau devant moi. Je te vois plus. Ok, bon. Pourquoi pas. Vas-y, Froggy. Vas-y, Froggy. Si vous voyez pas. Ouais, mais non, je savais pas qu'il fallait suivre Thierry parce que je le vois pas donc. Non, mais suis. Suivez ma voix. Allô. Suis l'autre groupe et puis Thierry il suivra comme il peut. Ouais. Vous savez vraiment pas où je suis en fait? Non. On t'entend, mais on te voit pas. Bah, heureusement qu'on est sous Acre, comme ça c'est bien localisé quoi. Ouais. Non, le vieux bug. Position était. Alors là, tu peux faire le mortier, donc. Ce va nous faire un bug de script. Précédemment. Ça va pas le faire pour vous, Spartel et Sherlock? Ah si, on peut passer. Ramper? Avec lui? Ouais. Ramper, ouais. Eux, ils traversent. Eux aussi, ils ont des passe-murailles. Ok, il y a les hélicos en mouvement. Et les hélicos, ouais. Ouais, ça doit être les copains. Ils sont les bien les hélicos, hein. On est tous en train d'avoir des super pouvoirs, là. Attends, j'ai envie de voir ça. C'est quoi? C'est complètement con. Heureusement, on a les otages passe-mur. Ouais. C'est bon, vous êtes tous là partout. Allez, on y va, ouais, la vieille. Avec un truc comme ça, fais gaffe, Thierry, parce que si tu passes devant nous, quand on tire, éventuellement, on risque de descendre sans même le savoir. Ouais, t'as raison. Non, tous les coups, le cadavre va réapparaître au moment où il sera mort. C'est vrai. Tu verras un truc popé, tu sauras que t'as tué Thierry. Ou il va rester transparent et il va mourir comme une merde dans son sang.
En se vidant toute petite petite. Quelle méchanceté, tu me vois, Sparfel, toi ou pas? Non, non, je te vois pas. Moi, moi je te vois, Thierry. Et si j'allume la lampe? On voit une lampe qui vole. Sérieux? Ah moi, j'en vois une qui vole. Qui vole. Et attends, Thierry, tourne ta lampe vers moi. Ouais. Et à un moment, je te voyais. Ah, et c'est quand t'es sur le bord de mon écran. Je... Oh, c'est trop bizarre. On va vers la tour de contrôle. Oh, que tu vois ça à la vidéo, Thierry. Je suis situé où? Ah, juste face à nous, c'est ça? Exact. C'est très bête. Le retour il est tranquille. Ouais. Balade nocturne. Ma foi, tant mieux. On voyait un hélico de transport là dans le ciel? Ah bah y en a deux qui se promènent depuis tout à l'heure, oui. Non mais c'est des hélicos de combat ça. C'est quoi, c'est un... Les hélicos Comanche. Non, c'est ce qui doit, celui qui nous doit nous prendre, c'est indiqué ce que c'est. Mog. C'est un Mog. Bah là, il arrive là. On je l'entend crois. Hein. Plein nord. Oh, oui. Ouais c'est lui. Dès que les otages sont... Préparez-vous parce qu'il y aura pas beaucoup de temps. À la limite, faut qu'on vaut mieux qu'on monte avant les otages. À la limite, ouais, c'est ça. On va devoir revenir les chercher. Oh, désolé, on vient. À la limite, Scarlock, tu vas mettre le tien, moi le mien, je vais le libérer, il va monter tout seul, ok? Vous êtes sûr de votre coup? Comment tu veux que. Non, faut pas leur donner l'ordre? Moi, je pourrais pas. Hein. Ouais, non, mais toi, tu le. Utilise le menu AGM. Ah, je chargerai, ok. Enfin, je sais peut-être que ça risque de pas marcher. Ouais, non. Ouais, tu viens d'apparaître. Ouais, là, je l'ai fait rentrer. Ok, bah, peut-être qu'il décide là. À descendre en fait. Dans le briefing, ça dit qu'il faut que tu donnes l'ordre au. Ah, tu vois, ok. Et préparez-vous, ça va, il va descendre, je pense. Lui, il a pas vu que le moteur il s'écrase. Lui, il est motivé. Putain, je l'ai lâché. J'y vais là. Ah pas trop. Il y en a un autre là qui part. Il faut que tu nous donnes l'ordre à nous de rentrer dans l'hélicoptère par le menu arme. Non mais j'ai donné l'ordre à mon équipe, mais je peux pas vous donner l'ordre à vous. Vous êtes pas dans mon équipe. Hein. Ah, coup, donne-nous l'ordre de rentrer dedans aussi peut-être. Bah, c'est pas possible ça. Ah voilà, je l'avais dit, erreur de script. C'est bon, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bon, qui veut sniper le pilote là? Ouais! Putain, c'est saoul. Non, c'est bien ça, hein. Je vérifie juste que ce soit bien ça, mais. Je peux pas ordonner, hein. Ouais, ça me prend beaucoup, toi. Non, mais il va pas le faire. Worst driver, tu sais. De toute façon, il a pas, il va exploser l'altitude, c'est Arma. Hein. On peut pas, hein, le truc est trop haut en fait. Ouais, ouais. Descendez, c'est nous. Venez nous chercher. Bon, bah, désolé, mais alors là, je crois que je vais faire. On peut tirer sur le rotor de tuyau. Au pire, tu en fais apparaître un, non? Non. Ouais, mission. Non, bah écoutez, je vais faire un fin de mission, hein. Ça ne changera pas grand chose. Ouais, de toute façon, c'est. Exceptionnellement, on peut tirer sur le rotor de queue. Non. Pour voir ce que ça fait. Non. Mais non. Non. Oh. T'as qu'à le faire en éditeur. Mais non, mais en mission c'est plus classe. Ouais, carrément. J'ai déjà fait plein de fois en éditeur, mais en mission c'est plus classe.